La lettre du Père Noël. Une épaisse couche de neige recouvre la forêt. C'est la veille de Noël. Facteur souris, la sacoche pleine de lettres quitte la poste d'un pas rapide. Il commence sa tournée. Dans sa hâte, ah! Il glisse et tombe à la renverse. « Les lettres !» Affolé, facteur souris ramasse tout le courrier. En récupérant la dernière lettre, il voit que la neige en a effacé l'adresse. « Que faire À qui la porter ?» Facteur souris est très embêté, mais il doit continuer sa tournée. « Madame Lapin, c'est le facteur !» Madame Chouette, une lettre express. D'habitude, facteur souris est toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, les animaux de la forêt découvrent un autre facteur souris, tout triste. Eh bien, facteur souris, ça ne va pas Vous en faites une tête. Il retourne la lettre et s'écrie étonné. C'est une lettre du Père Noël. Vraiment? Tous ouvrent de grands yeux. Qui peut recevoir une lettre du Père Noël? dit Madame Chouette. De nouveau, ils examinent attentivement l'adresse illisible. J'ai le même sac noir. J'ai un tablier bleu, elle est sûrement pour moi. J'ai un bonnet et une écharpe, sans aucun doute, c'est pour moi. On tirait mes bottes et moi aussi j'ai une écharpe. Regardez mon bonnet, il est bleu lui aussi. Moi aussi j'ai une casquette et une écharpe. Il y a une différence. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est Une canne Le manche d'un parapluie Ou... Aïe, ma queue, ma queue Crie une voix. C'est l'ours qui écrase la queue de Facteur Souris. Pardon, pas trop de mal, j'espère, demande l'ours. Au même moment, tous crient en cœur On a trouvé C'est la queue de Facteur Souris. Et ils se mettent à comparer les tâches de la lettre avec Facteur Souris. Une casquette et un uniforme bleu une écharpe rouge, des bottes noires, et la sacoche noire aussi. Il n'y a pas de doute, cette lettre est pour Facteur souris, dit l'ours. Pour moi, une lettre du Père Noël, dit Facteur souris intimidé. Facteur souris. Facteur souris. Ouvrez vite la lettre. Réclament les animaux, les yeux brillants de curiosité. En blanc facteur souris ouvre la lettre et commence à lire à haute voix bonjour je suis le père noël ce soir je dois distribuer les cadeaux facteur souris voulez-vous me guider dans la forêt je vous prie à la tombée du jour venez sous le grand sapin de la forêt le père noël formidable formidable servir de guide au Père Noël. Quelle chance, Facteur souris, vous allez monter sur le traîneau du Père Noël. Tous l'envient. C'est grâce à vous, mes amis. Merci, dit Facteur souris reconnaissant. Vite, plus vite, Facteur souris. La nuit tombe, dit l'écureuil. Le grand sapin est encore loin. On va être en retard, s'inquiète Facteur Souris. Ça ira, faites-moi confiance, dit l'ours en se frappant la poitrine. Il prend Facteur Souris, le met dans sa poche et part à toute allure. Le renard, l'écureuil et Madame Lapin suivent en courant. Madame Chouette, le corbeau, vole au-dessus d'eux. La forêt s'assombrit. À toute vitesse. Ils remontent les sentiers de la forêt. Soudain, le ciel s'illumine. Devant eux se dresse le plus grand sapin de la forêt, décoré de mille lumières. Le Père Noël est debout au pied du sapin. Merci d'être venu, facteur souris. Il faut partir le plus vite possible. Vous autres, voulez-vous monter sur mon traîneau tous acceptent avec joie alors en route les animaux imaginaient le traîneau glissant sur la neige à leur stupeur ils s'élève dans le ciel oh oh on vole on vole renard j'aperçois ta tanière c'est magnifique il neige dans le traîneau ce ne sont qu'exclamations de joie et de surprise. Facteur souris guide le Père Noël avec beaucoup de compétences. Tous les paquets seront déposés. Chacun aura son cadeau de Noël. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous. Et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. À bientôt!